Les gars, le FIFA, c'est juste une dinguerie. Hein. C'est juste une dinguerie et je m'excuse déjà si je donne l'impression de réitérer, hein, de me répéter dernièrement. C'est juste que je me dis, il n'y a pas encore ces gens qui ont l'information. Ils sont tellement nombreux, les personnes, ces personnes qui recherchent des solutions grâce aux paris sportifs. Et je suis persuadé qu'on n'a même pas 1% qui ont l'information. Donc, je vais me répéter autant de fois qu'il faut, dans autant de vidéos qu'il faut. Et je voudrais également interpeller les uns les autres, ceux qui me suivent et qui me soutiennent. Merci les gars. Les gars, c'est grâce à vous. Je voudrais encore pouvoir compter sur vous. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo. Likez la vidéo, laissez un commentaire. Peut-être ton pays, ça va m'aider dans le référencement, aider des gens, des Africains ou bien des gens dans le monde qui se font bouffer tout le temps par les bookmakers à trouver des solutions grâce au jeu FIFA que l'on fait. Parce que c'est vraiment une dinguerie. Là, tu as l'historique de Paris de la journée d'hier, nous étions le 3. Donc tu peux toi-même te rendre compte du fait que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On a travaillé pratiquement toute la journée avec un taux de réussite de minimum de 95% en général. Hein. Parce qu'on a raté quand même quelques pronostics, ça peut arriver. Mais la plupart du temps, c'est frérot, on valide tout ce que l'on fait. Donc frérot, n'hésite surtout pas à partager hein, ma vidéo. Donc, j'ai ces matchs que j'ai analysés par exemple, comment ça va se passer. La première des choses, c'est que tu puisses rejoindre le canal Telegram, le lien est en description sous la vidéo, c'est la première étape. La seconde, c'est comprendre comment on va jouer. Parce que par exemple, ce match a été analysé. Et j'ai l'impression qu'on aura des buts. Du moins, pas l'impression, j'ai la conviction qu'on aura des buts. Donc, le pronostic en réalité, je peux le jouer chez 888 Star, je peux le jouer chez OneIsBet, je peux le jouer partout. D'accord? Donc, ça, c'est même pas un problème. Peu importe ton bookmaker, que ce soit BetWinner, LineBet, ParisPessa, MegaBet et autres là, tu vas trouver les mêmes jeux avec les mêmes options. Ok? Donc là, je prends OneIsBet parce que j'ai beaucoup plus d'abonnés qui jouent de ces côtés. Donc. C'est pour ça que je joue prioritairement chez OneIsBet. Donc, je prends le pronostic comme ça. D'accord? Je prends le pronostic. Du coup, je vais aller copier hein, le code coupon. Donc, je vais poster sur Telegram. Donc, ça, c'est le code général. Je vais le poster dans le groupe du projet. Parce que je vous ai dit, c'est un projet. Et en tant que projet, il y a un groupe vraiment pour ceux qui veulent rentrer en immersion dans la chose. Donc, j'ai la conviction qu'on peut avoir les deux équipes marques. Et là, je pose le coupon. Toi, tout ce que tu as à faire, hein, c'est d'aller récupérer le code coupon, aller chez OneIsBet, télécharger ton coupon et puis placer ton pari. Ou à défaut, tu vas aller retrouver manuellement le jeu comme ça. Donc, je suis dans mon application, je vais aller dans sport, après résultat, après direct. Je vais taper FIFA comme ça. Bien, je vais taper FIFA comme ça. Donc, je vais aller chercher manuellement le jeu concernant les championnats d'Italie. Donc, le jeu, il est là. Et je ne vais pas parier sur une cote des deux équipes marque de 2,25. Je vais utiliser ce que j'ai appelé cote de référence. Je vais rentrer la cote que je recherche. Je vais mettre ma mise. Et puis, je vais parier. Là, c'est fait. Là, je vais mettre un petit fun ici. Donc, là, c'est vraiment... On ne sait jamais. Donc, même chose, je vais faire la même chose là. OK. Je vais mettre ma somme définie. Je vais la mettre. Ça, c'est au cas où je ne veux pas attendre que le match commence. Là, j'ai utilisé ce qu'on appelle les codes de référence. Donc, ta mise là, après code promo, ta code de référence. Donc, je l'utilise. Maintenant, si je pourrais faire procéder autrement, je pourrais simplement attendre que le match commence. Lorsque la cote va monter, parce que quand le match va se jouer, il y aura forcément un moment où les cotes vont monter. D'accord? Je vais essayer de prendre position en fonction du live et en fonction de la tendance du match. Donc, j'ai par exemple envoyé 2,5 buts. Il peut arriver que je ne joue pas cette totale finalement. J'attends quand le match va commencer. Hein, et que je me rends compte que les gars peut-être ont marqué des buts rapidement. Je me rends compte que j'ai un match plutôt ouvert. Je peux prendre l'initiative de jouer d'autres totaux comme peut-être celui-ci. Là, c'est fonction de la tendance du match. Autre chose qu'il va falloir faire de temps en temps, c'est être à même d'aller regarder le match en live. Voilà, tu regardes le match en live, tu comprends, tu regardes un peu l'intensité du match. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir faire généralement. Ce coupon, par exemple, je viens de le poster. Hein, je viens de le poster au forum public. D'accord? Donc, il est là. Donc, le premier pari a été validé. J'ai utilisé exactement les mêmes stratégies que j'ai partagées avec vous. C'est comme ça. Frérot, tout ce que tu as à faire, c'est de rejoindre Telegram, comprendre la logique du travail et puis travailler, ramasser de l'argent. En même temps, je voudrais t'inviter hein, à t'écrire ton compte avec mon code promo. Il est affiché à l'écran depuis, c'est SkyCap. Chez OneIsBet, chez 888 Star, chez LineBet, ton nouveau compte avec ce code promo-là, il va te permettre d'avoir
tous les bénéfices ou bien tous les avantages qu'on peut espérer d'un bookmaker. Donc, coupon validé en quelques minutes. Frérot, c'est juste une dinguerie, les gars. C'est juste une dinguerie. Ils ne peuvent pas comprendre. Il faut le vivre pour le croire, en fait, c'est ce que je dis tout le temps. Je pourrais faire des vidéos de 2 heures de temps pour que tu puisses comprendre que ça marche réellement, mais c'est pas ça le but. Le but, c'est juste de te passer l'information et te dire, voilà frérot, toi qui recherches des solutions, toi qui, je sais pas, toi qui perds de l'argent tout le temps, ou bien depuis toujours avec les paris sportifs, voilà la solution. En fait, elle est arrivée. Donc, arrête-toi, arrête de donner de l'argent au bookmaker, arrête de rendre riche le bookmaker. Ils sont déjà assez riches et rejoins notre projet en fait, parce que pour moi ce n'est plus Paris Sportif, je le dis tout le temps, c'est un véritable projet, que tu sois en France, que tu sois n'importe où, si tu as accès à OneSbet, voilà, ce projet il est pour toi. Donc je n'ai pas encore attaqué d'autres bookmakers, j'attaque des bookmakers qui sont disponibles dans ma zone géographique, puisque je suis en Afrique, je suis africain et je joue prioritairement chez OneSbet et toutes ces photocopies 888, Linebet et autres. Donc je vais m'arrêter là, on est à 8 minutes, je ne voudrais pas faire des longues vidéos. Hein. Mais on va récolter de l'argent, hein. Tout, c'est juste une question de temps. Et on va récolter de l'argent, tous les pronostics que j'ai postés, on va récolter.